Voici enfin la rencontre que plusieurs personnes attendaient après les branches de Kimi. Plusieurs attendaient la rencontre de Kimi et Maessa parce qu'ils se sont vus pour la première fois aux branches. Mais comprenez seulement les branches. Kimi était en l'air, en l'air. Il y avait de ventes. Il y avait Axel à côté. Il y avait. Et puis Maessa avait complètement elle avait agrémenté la soirée. S'il y a eu vraiment des clients qui sont rentrés avec une histoire concernant les branches de Kimi, du côté de l'ambiance là, Maessa avait tellement bien agrémenté. C'était elle, Tema et Povan. Mais Maës était venu avec son équipe. Ils ont dansé. Et c'est ce qui a même aussi boosté Maësa. Elle a réussi. Elle a, après les branches, Maës a vraiment son compte TikTok a réussi beaucoup d'abonnés. Et Maës a commencé de plus en plus à avoir de la visibilité à cause de ce qu'elle avait fait le jour du branche. Alors, après les branches, il y a Tata Lolo qui était passé, elle a remercié. Et puis Kimi était avec Antala, il était avec Bovan, il était avec Axel. Mais elle n'a pas encore eu le temps de parler avec Maessa live. Alors voilà les lives ou la conversation ou la rencontre que plusieurs personnes attendaient. Mais ce que j'ai aimé dans cette rencontre ici, quand je vous dis, apprenez. Ou chercher à avoir des bons amis. C'était justement pour que, Maessa passe par le canal de Kimi pour faire la publicité de son agence, de son business. Allez-y comprendre. Je vous amène ces vidéos ici chez Réseaux Sociaux Buzz pour vous réveiller. Dire que utiliser les réseaux sociaux pour bénéficier, pour faire du business. Si tu as ton business, même si tu as un shop, une boutique en français, utilise ça. Ah non, j'ai un shop, c'est quel de ces côtés ici? Si tu es par exemple dans tel pays, par exemple moi, je suis en Afrique du Sud, je suis à Cape Town. Si vous habitez par exemple les quartiers tels, moi j'ai mon business passé. Tu ne sais pas combien de personnes ton message va toucher. Je ne connais pas la nationalité de Maessa. En tout cas, je connaissais, je ne sais même pas si elle est camerounaise ou guinéenne ou togolais ou qui que ce soit, je ne sais pas. Mais elle passe par les canaux de TikTok pour faire promouvoir son agence, son business. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour les moments, les réseaux sociaux, pour faire la pub. Il y a même des gens qui s'étonnent pour dire que non, mais les publicités ont baissé les prix. On connaissait hein, des personnes, des grandes marques, on pouvait leur payer beaucoup d'argent pour qu'ils fassent du publicité et tout. Oui, comment dire, quand la demande est nombrée, les prix baissent. Parce qu'il y a beaucoup de. Comment dire? Quand il y a beaucoup d'offres, hein? Quand il y a beaucoup d'offres, en tout cas, il y a moins de demandes. Voilà. Quand il y a beaucoup d'offres et moins de demandes, les prix baissent. Parce que chacun cherchera, en tout cas, à vendre son produit. Voilà maintenant. Dis-moi qu'il y a des réseaux sociaux, TikTok. Moi-même, je peux faire la promotion de ma vidéo. Moi-même, je peux faire sortir ma vidéo, ma chanson. Aujourd'hui, je commence à faire ma propre promotion. Voilà pourquoi aujourd'hui, oh, je suis Miss Tel. Oh, je suis la marque Tel. Tout ça, c'est descendu trop bas à cause des réseaux sociaux. Alors, profitez de ces temps ici pour aussi promouvoir vos business. C'est très important ce que j'ai fait ici. C'est vous réveiller de conscience. Oui, la conversation, elle est bonne. Vous regardez Kimi et Maessa. Mais ils profitent de faire leur business. Oh, vous aussi, vous avez Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, comme moi, j'ai fait également. Profitez de faire des publicités de vos business. C'est très important. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Bus. On va suivre la vidéo ensemble avec vous. Vous êtes nouveau sur ma chaîne, profitez de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez des vidéos, vous regardez mes vidéos, vous regardez. Je vous remercie pour ça. Beaucoup de baisers. Mais aimez qui? Aimez qui?
Aimez que les vidéos, aimez que. Ça me fera énormément du bien. Alors, suivez la vidéo, on se retrouve à la fin pour conclure. Moi aussi, comment ça va, Maïssa? Ça va et toi? Ça va très bien. Et ça fait longtemps. Oui, Et hein, je vraiment. profite en même temps pour te dire merci pour le brunch. Merci beaucoup. T'es danseur. Waouh, la prestation. Waouh, il n'y a rien à dire. Merci beaucoup, Maïssa. Merci. Merci De beaucoup. rien, ce fut un plaisir. On a adoré en fait. On a adoré. Et j'espère que toi aussi tu as aimé, hein. Tu as aimé la Sophie. Et tes danseurs vraiment trop sympas, trop gentils et tout, franchement. Merci. Merci beaucoup. Et toi, le sucre, tu t'es bien reposé et tout ça? Bien reposé, sauf que le travail est là, donc il y a tout ça aussi. Sinon, D'accord. je me suis bien reposée quand même. D'accord. Enfin, Maïssa, comment ça va? Les activités, la danse, tout ça. On va, tu sais, on essaye de s'en sortir un peu, quoi. Mais bon, ça va. Ça se passe bien. J'ai appris que tu avais, j'ai vu que il y avait une salle de danse. Tu avais une salle de danse et Oui, j'ai une tout. école de danse. Pour l'instant, ce n'est qu'une salle. Je sais que demain, ça deviendra une très, très, très grande, une très grande école, en fait. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai une très grande salle de danse. Mais comme moi, j'appelle école de danse, en fait. Ah Voilà. oui, c'est pour tout le monde, peu importe l'âge et tout. Oui. Tout le monde vient. Tout le monde vient. Généralement, les cours, c'est pour les samedis, les cours de danse qu'on offre. Et il y a des enfants qui viennent prendre aussi des cours les dimanches, entre 14h et 17h. Et les cours pour adultes, c'est les samedis entre 9h et 13h. Donc, Ah c'est un peu oui, ça. c'est payant ou c'est Oui, gratuit? bien sûr. C'est payant pour les adultes, ça dépend du cours. Ça dépend du cours. Parce que les danses afro-latino sont entre 2 500, 3 000 et 10 000 quand c'est privé. Et les cours C'est même pas cher. sont à 1 500. 1 500 les cours de danse. Nous sommes au Bénin. Au Bénin, c'est pas facile, hein, la danse, tu sais. Non, mais c'est même pas C'est pas cher. facile. Mais j'ai un récent projet avec les enfants. Je sais pas si je peux me permettre de parler de ça sur ton live. Vas-y, Maïssa. Ah, oui. Voilà. Pour ces vacances avec ma team, on essaie de faire plaisir aux enfants qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir les cours de danse, de théâtre, de musique et de oui, théâtre, danse, musique. Voilà. On offre ça aux enfants qui n'ont pas les moyens dans mon centre de danse. Et on a commencé depuis un mois déjà environ. Les gens inscrivent leurs enfants. Et d'autres enfants viennent d'ailleurs pour suivre le cours. À la fin, il y aura une restitution avec ces enfants-là qui vont démontrer aux parents ce qu'ils ont appris tout au long de l'année. Moi, j'appelle les 3 mois durant l'année scolaire, en fait, parce qu'ils vont faire 3 mois. Ils vont finir en septembre, en début octobre, ils vont finir. Donc, ceux qui sont intéressés, venez soutenir le projet. Et puis voilà. Il y a un numéro? Oui. Plus 229 66 26 02 26. Ça, c'est le numéro de téléphone pour contacter l'entreprise. Ça rapidement comme ça. Plus 229 Le numéro en commentaire, s'il vous plaît. plus 229 66 26 02 26. Oui. Donc, si vous voulez soutenir le projet avec les enfants,
n'hésitez pas, appelez le numéro et voilà, vous allez pouvoir peut-être m'avoir aussi sur ce numéro-là. Donc, n'hésitez pas, quoi, parce que on a envie de donner de la joie aux enfants durant ces vacances. Et nous avons encore un mois pour finir. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci déjà à toutes les tatas qui ont commencé à soutenir. Les tatas de Kimi, je sais qu'il y a certaines de tes tatas quand même qui me soutiennent à fond. Elles sont là. Il y a des tatas de Bovich ou les tatas de Tema, les tatas de... Donc, merci à toutes les tatas de Kimi et merci aux personnes qui étaient à ton brunch aussi. C'était un moment explosif. Merci beaucoup. Et voilà, je te soutiens à aller de l'avant. Si je suis venue à ton brunch, c'est réellement parce que j'ai vu que tu étais quelqu'un de très audacieux. Et moi, j'aime ça, les personnes qui aiment travailler, les personnes qui aiment se bouger et tout. Donc, voilà, je n'hésiterai pas. Mais lâche-moi! T'es ma bouge! Donc, je n'hésiterai pas à revenir encore et encore si tu as des brunchs, si tu as des fêtes ou des événements comme ça. Et si je dois te déplacer 100 000 danseurs ou 100 000 danseurs pour toi, Kimi. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Tu es un gros cœur, tu es belle et tu es noble. Donc, voilà. Merci, Marissa. Merci beaucoup. Donc, merci, Kimi. Merci beaucoup. Bien, Marissa. Donc, à tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Bisous à toi. Porte-toi bien, Marissa. Ok. N'hésitez pas à contacter moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. En danse. Je me retiens là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Ok. Au revoir, Kimi. Au revoir, Marissa. Oh, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous avez aimé la vidéo et je pense que j'avais déjà conseillé au début de la vidéo. J'avais déjà dit tout ce qu'il y a à dire. J'avais déjà dit. Donc, réconsidérez ce que j'avais dit au début de la vidéo là. Profitez du moment où les réseaux sociaux payent. Avec ta vidéo des réseaux sociaux, Aïcha tremblait. Elle ne savait pas qu'aujourd'hui elle serait célèbre à cause des réseaux sociaux. Alors profitez au maximum. Les réseaux sociaux peuvent te faire découvrir de personnes qui sont au fin fond, qui n'avaient aucune possibilité de se retrouver dans le monde à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont une puissance énorme. Alors profitez-en au maximum. Oh, je n'avais pas dit, j'ai dit. Oh, je n'avais pas dit. Maman réseau, maman buzz a dit, un bon attendeur s'aligne. Alignez-vous, oh! Alignez-vous. Apprenez à faire la promotion de vos business sur les réseaux sociaux. On ne sait pas ce que ça va apporter dans les futurs. Un jour, one day, this can pay you more than you think. Just try. We don't know. We never know what is going to happen. So do it and do it now. Don't wait. Pour perdre l'autre côté, tu vas rien perdre. Tu vas rien perdre. Ça te coûtera rien. Le méga, au lieu de regarder les autres de regarder. Prends ces méga-là. Tu as ton petit business. Profite-en pour faire. Même si ça paye pas aujourd'hui, même pas demain. Après demain, ça va payer. And then you're going to come back to give me your testimony that, yeah, it happened to me. Mama Rizzo, thank you so much for your advice. Yeah, you will do that. I know. And I know. I'm the one who can testify the first because I tried to then make it happen. Thank you so much. Oh, sorry. On se retrouve prochainement dans une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Bye!